Jen and Jens. Yes. Nous gagnons avec nous. Artiste là, qu'on va yo. Superstar. Superstar. Maradona. Cerisier. Atispeyer. Yes. On se va yo fait. Enrichissez votre futur. That's what's up. Yes, à Jen and Jens Show. Bayou belle, GNG Show! GNG Show! Bienvenue dans l'autre édition de Jen and Jens Show. Show parle, show pamla, show nous toutes qui a regardé nous. Et nous connaissons pour nous faire émission ça, nous avons toujours besoin de jumelles. Moi, hein? Jumelles, ça, on va pas vivre sans jumelles. Jamais. Côté femme, parler. Bonsoir, Jen. Bonsoir, ma chérie. Alors, à ce nouveau, qu'aucune chaîne invité, et nous saluons, invité malheur, ça, invité. Ça, sont invités qui sont liés, Jen, donc on peut dire déjà. Ou invité nos gens. Notre gens, tout talk. Et ça, oui, nous allons parler parce que tellement lourd, et puis nous allons parler. Bonsoir, Maradona. Bonsoir Jen. Bonsoir. Bienvenue dans Jen and Jens Show. Et puis bon, Jen, le nous invité, nous t'es tellement content de répondre à l'invitation. Franchement, c'est un honneur pour nous. Nos cadeaux sont honneur pour nous. Bon, mesdames, cadeaux sont honneur pour moi parce que ça fait longtemps que je suis sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Donc, merci à pile que nous invitons à ce. On apprécie ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et nous connaissons que les affirmations, ça nous toujours. Remercier tout le monde qui a regardé nous. Pas oublier pour continuer toujours à l'abonner nous, à le subscribe sous page. L'aide à l'abonner nous, votre petit cloche en l'air à droite. Depuis que vous cliquez sur lui, nous avons tout bagaille Jen and Jens Show lagué. Exactement, et nous profiter pour nous saluer toutes les amis, toutes les fanatiques qui en Haïti, Jen. Malgré nos situations pays, malgré des fois nous connaissons les gens qui ont la lumière, ils ont un cahier voisin, ils ont écrit nous dire qu'ils ont un voisin pour être capable de garder l'émission. Alors nous disons ça, merci pour l'encouragement, merci le fait que vous avez un backup Jen and Jens Show. Et nous saluons les gens qui sont Saint-Domingue, tout Jen. Oui. Nous avons plus de monde Saint-Domingue qui a regardé. Exactement. Et nous connaissons toujours une mention spéciale avec les gens États-Unis. Parce que nous avons pile en pile de monde États-Unis qui a suivi nous. So shout out to all the people in the USA. Thank you for the love. Et nous connaissons pas oublier les gens qui sont Montréal, mes amis. Parce que c'est là qu'on a fait chaud. Hein? Exactement. Alors, il faut nous bailler l'autre. Mais oui, les gens de Montréal, Canada, Québec. Non, Québec, c'est ça. Encouragez, Jen and Jens Show. Et évitez ça, nous avons là. Bon, ça que tu as dit, évitez à suivre nos gens. Mes amis. Pas de place où tu as suivi nos gens. Mais non, mesdames, nous, on a fait belle bagaille. Pour que font sub nous. Ah, moi mais ça alors, je dis à nous gars avec nous. C'est pas juste Maradona Cerisier. C'est ce nom les nous tendez nous. Oh, c'est qui ça? Est-ce que c'est vrai non? Nous pour compte à l'heure qui est-ce qui Maradona parce que son monde qui très connu dans la communauté montréalaise. Hein? Pas juste bien connu non, mais il a fait bel travail dans la communauté. Hein? Exactement. Alors Maradona, encore une fois, bienvenue dans Jen and Jens Show. Et puis, m'attendais trop avec la question Maradona, parce que la question est bien simple. Qui est-ce qui Maradona? Yes. Qui est-ce qui Maradona? El Diego Armando Maradona. Ah, puis le monde de nous, ça, nous parlons, ouais, si c'est ça, non, ça a voulu dire. Exactement. Donc, on va le présenter. Je suis conseiller financier, coach financier. Et également auteur. Donc, c'est le premier haïtien qui écrit un livre sur les finances. Sur la finance. Nous parlons plus de bagaille qu'à l'heure. Avant tout, nous parlons qui est-ce qui Maradona et pour qui ça le relève Maradona. Parce que non, ça allait être intrigué, je me disais. Oui. Donc, il y a un peu de monde qui pose une question. Est-ce que Maradona est vrai? Non. Papa, c'est un fanatique football enragé. Avant, j'étais un fanatique Brésil. Donc, premier petit, il relève par nom de Brésil, de Brésilien, Garrincha, Francisco Marinho. Après ça, en 81, monsieur tournait l'Argentine, monsieur dit Brésil, quitte Brésil, c'est Argentine. Donc, monsieur relève Diego Armando Maradona. Ah, ça c'est vrai nom, ça. Et vrai nom. Vrai nom, Diego Armando Maradona. Oh, wow. Donc, c'est ça, puis monsieur relève l'autre petit Léopard, non, joueur de soccer.
Mais est-ce qu'on te compte jouer soccer? Mais oui, je te compte jouer soccer. Je te compte jouer soccer. Parce que c'est pas pour faire pas pour honneur, mes amis. En fait, à Haïti, je change, je te compte jouer boule. Depuis l'école, la gué et boule, 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 boule. Oh, ou rive la caille, boule encore, ou vire tout n'est boule. Et si pas pour ces fanatiques, ces fanatiques, je sais que les bâtons ne sont pas quittés dans le boule parce que je connais que la pété de nous n'a boule là quand même. Mais oui, tout le monde boule. Mais malheureusement, l'aime rive Montréal, arrivé dans le secondaire, il y a deux choix. Soit je joue basket ou bien je joue soccer. Puis, tout ça, mimio et basket, je te compte jouer. Donc, je suis obligé de quitter soccer hein, pour mal jouer basket. Après ça, je suis en belle carrière en basket là, au niveau secondaire, au niveau collégial, dans Dawson. Jusqu'à présent, nous avons un record qui ne peut jamais battre. Nous avons 26 victoires consécutives dans le collégial Dawson. En basket. Wow. La basket, exactement. Dans qui division t'es? Nous, c'est la division 1, qui est division 2, division 2, et là, on va finir fort. Oh, c'est là, on est dans la division 2, mais même dans la division 1. Wow. Puis, il y a une dans nous qui a joué la NBA, sur les Joel Anthony, qui a joué avec le Bon James, qui a gagné deux championnats avec le Bon James. Malheureusement, on va aller parce que c'est constant de la vie. Okay, on va aller. Exactement, exactement. Mais depuis à quel âge vous rentrez ici? Parce que vous dites, vous faites en exactement. Haïti. Exactement. En fait, en Haïti, je rentre ici à l'âge de 7 ans. Puis depuis là, vraiment impliqué dans la communauté. Hein. Et puis, l'activité, je fais faire tout. Des programmes bails qu'on fait. Dans la communauté haïtienne? Non, non. Ou là? Non, town. Des programmes bails qu'on fait dans town, là, je suis obligé d'impliquer et tout. Fait que peut-être ça, depuis mes petits, nous nous connaissons. Mm-hmm. Okay. Wow, c'est vraiment intéressant. Hein. Un bel chemin. Ouais. Mais. Premier bagage qu'on fait, c'est le livre l'enlever pour montrer le livre. Le livre, ça a le côté en pile pour vous. Oui, regardez, j'ai en pile accomplissement. J'ai changé de travail dans la compagnie d'assurance, des directeurs de vente dans la compagnie. Hein. J'ai en pile, j'ai en pile le monde et tout. Mais dans tout ça, j'ai réalisé la première réalisation qui fait vraiment. Le plaisir, c'est vraiment le livre. Pour qui ça? Parce que, j'aime te dire au début, premier haïtien qui écrit un livre sur les finances. Donc, ça fait un pile plaisir. Puis, l'aime, on a rencontré tout. Je félicite énormément. Puis, ça m'a aimé en tout, c'est que, non moins que je félicite, mais pour eux, c'est une victoire que je vois un jeune haïtien que je vois qui est élevé la Montréal là, qui a évolué comme ça. Ça, c'est ça, dit, c'est très important parce que moi-même, ni moi-même ni Jen nous suivons un peu sur Facebook et nous t'es ouais comme ça que a fait livre là a venir ça fait que nous-mêmes nous t'es intéressé pour t'es venir dans émission. Oui, et puis faut que nous dis ça tout livre ça entre moi-même avec Jen avec producteur nous c'est premier mon là qui est déjà le livre là baron pour nous le livre là va sortir qui combien quoi nous parle mettre dehors mais nous même même on est VIP nous yo mais tout ça dans livre là c'est bagaille qui vraiment intéressant et Maradona parle parler nous de ça Jen. Ah oui. Vraiment intéressant franchement là des bagaille des fois mais des comment qu'a possible livre là va montrer tout bagaille ça. Exactement. Puis en même temps moi même moi t'a aimé pour parler nous un peu de cheminement carrière qui gens ça vient mener où dans domaine financement. Par qui sont tes commencé? Exactement, exactement. Ça, c'est une très belle question parce qu'il y a plus de monde qui pose une question. Comment vous faites écrire un livre? Parce que nous, il y a des gens qui ont n'importe 20 ans, 30 ans, ils sont dans le domaine. Ils sont dans le domaine, c'est ça. Ils n'ont pas qu'à écrire des blancs. Donc, ça fait 10 ans dans le domaine de l'immobilier. Là, par la suite, maintenant, finance, je me dis, vous comprenez ça? Dans tout ça, m'a fait, je m'a mis à 100%. Par la suite, ma point. Si je vais écrire un bon livre avec un bon contenu pour mon cœur vraiment lire, pour dire, comment ça? L'a aidé énormément dans tout ça. Si c'est si c'est crédit besoin amélioré, si c'est, admettons, nous, c'est un compte si les besoins ouvrir, mais est-ce que le compte s'il y a pour aller apporter mon corps vraiment? Si je gagne ce monde, mais combien de pour mettre le régime épargne de blanc pour ce monde-là, pas payer un good pour étudier? Parce que ça qui est important, c'est que, pas oublier le si mon école l'école. C'est soit ou prend un cop pour lui ou bien la endetté. Ça c'est vrai. Elle n'a pas bourse. Exactement. Montréal gagne plus Londres. Exactement. Gagne mon États-Unis qui besoin connaît ça pour bourse là c'est en Londres que on prend mais ça qui va avec Montréal le gouvernement mettait yo installe un programme que ou pas obligé retirer cop blanc pour chou réellement pour ce monde là à l'école. Wow. C'est bien. C'est bien. Alors, c'est sûr, comme si l'on parlait de cheminement car ou dit qu'on s'accueille avant ou t'es
courtier immobilier. Alors, pendant tes courtiers immobiliers, qui veut dire un courtier immobilier pour mon cap garder nous, c'est mon cap bancaire. Ok, which is a real estate. Ok. Real estate broker. Exactement. Alors, parce qu'on est fondé. Ouais, là, mon New Jersey, Boston. Exactement, Cap Garden. Alors, ça dit, vous faites ça pendant au moins 10 ans exactement. Avant que vous venez transitionner vers plus domaine finance. Finance, exactement. Parce que ça m'a marqué avec clientèle noire, c'est que si, admettons, vous avez une bonne structure financière, mais vous n'êtes pas capable de chercher prêt pour aller acheter KL. Puis on le baille tout, c'est que si structure, y a pas structuré budget, on ne peut pas acheter n'importe qui ça, même si c'était un business ou besoin à l'acheter, ou bien si c'est un machine ou besoin à l'acheter pour n'importe qui ça. Mais tout baille commencer par un crédit. Si crédit pas solide, si base pas solide, mais on ne peut pas continuer encore. Ça, parce qu'il y a un pile de monde qui besoin courir, mais vous pouvez même pas marcher. Faut apprendre tout baille ça, faut apprendre base là. Exactement, alors qu'il veut dire même ou toucher tout point ça exactement. Dans le livre. Je suis sûr dans le livre là, parce que l'homme les livres là, nous avons vraiment eu le droit de la carrière ou pas le fond bagaille qui a voir l'argent via la banque. Le livre là, bon, vie pour ouvrir, pour garder quelques conseils là-dedans, avant que vous le devez conseiller bancaire. Oui, c'est obligé. Alors, livre ça, combien de temps ça te prend pour écrire livre ça? Le programme, toute connaissance que j'ai en 10 ans, mais concrètement, mettez vraiment à l'écriture pendant deux mois intenses. Il y a un peu de monde qui dit, oui, deux mois, ou si vous faites en deux mois, oui, me faire en deux mois. Cependant, et pas deux mois, une semaine, on travaille, une autre semaine, pas travail. Non, c'est deux mois chaque jour intensif. Je me sens, pas oublié, c'est joueur de basket, fait que y a une discipline qui est innée en moi. Donc, si je me dis, il faut me faire cinq heures de temps, chaque jour, il faut me faire cinq heures de temps, m'écrire, puis mettez un peu de mise en situation, qui va m'aider clients mieux, pas oublier, en moins de deux ans, j'ai fait mal pour n'importe 500 clients. Donc, pour un conseiller à chercher 500 clients, il faut qu'on un conseiller, ça travaille fort. Ouais, ça donc, c'est une méthode de travail, là, m'aider, m'instaurer pour me ça finaliser. Ça, c'est un pile discipline. Oui, pour mon écrire un livre. Un pile discipline. Et aussi, ça m'a donné un pile d'inspiration, tout parce que le web écrit. Il faut qu'on vraiment, lorsque j'ai inspiration, on est obligé de continuer. Mais au moment qu'on fait la chaîne, on vient de manquer une petite concentration. Exactement. Puis il y a un peu le monde aussi. Lorsque j'ai écrit un livre, il faut entourer de bonnes personnes. Bonnes personnes dans qui ça. Et pas un monde qui peut le démotiver. Parce que dans la vie en tant que tel, il y a un peu le monde qui peut dire non, pas fait ci, pas fait ça. Quoi, je me suspecte. Nous-mêmes, l'entourage, nous avons un peu le monde qui dévoile de nous. Absolument. En fait, oui, pour ça, en fait, maintenant, elle faut le bail plutôt. Mais l'organe, une volonté nécessaire vraiment, ou à faire. Parce qu'il y a un peu le monde qui peut le décourager. Ouais. Ça a un message à besoin pour vous et pour tout le monde. Mais que vous habitez en Haïti, que vous habitez Saint-Domingue, que vous habitez New Jersey, que vous habitez Montréal, Québec, fait que faut toujours croire dans qui ça ouvre. Croire dans le rêve, bon, oui, très bien. Oui, faut gagner, Très bien. Mais oui, alors, moi-même, comme si un chapitre dans le livre que je vais suivre, okay? C'est le premier chapitre dans le livre que vous parlez comment vous pouvez générer 5 000 $ excusez, par mois. Exactement. Ça l'a vraiment intrigué. Parlez-nous de ça. Comment qu'a généré plus de 5 000 $ par mois à vie lors de la retraite. Pour qui ça me fait, c'est que quand tout le monde leur arrive dans la retraite, il y a deux bagages qui privées. Surtout dans la communauté haïtienne noire, la Montréal. Les États-Unis, beaucoup connaissent. Mais Montréal, ce qui s'est passé, c'est que leur arrivée proche de la retraite, ils n'ont pas économisé assez quoi. Donc là, ça, on peut le faire, c'est soit hypothéquer Caillouan, ou bien obligé à retourner sur le marché du travail. Il y a plus de monde, ça va faire, il va retourner dans McDo, il va retourner dans un petit boutique, parce qu'il n'y a pas assez de cob. Le gouvernement, l'arrivé dans la vieille, bon, c'est comme tout petit. Puis, pas oublier, l'arrivé dans le retraite, là, il laisse faire plus de dépenses, il laisse faire besoin de gâter si neveu, petit tout. Il y a des gens qui travaillent vraiment maintenant. La plupart du monde, plus de 90% de la population est obligée de retourner sur le marché du travail. C'est énorme. Fait que le livre, peut-être sa premier chapitre, me fait pour le monde. Puis, comment au café, je vais écrire les CELI, compte d'épargne libre d'impôt. Pour le monde qui habite Montréal, il y a même plus comprendre l'autre monde. C'est un petit peu plus complexe.
mais m'a expliqué quand même. Sans gouvernement instauré en 2009. Donc, un monde qui n'a jamais ouvert en CELI, qui a présentement mis 57 500. Donc, il est rétroactif. Ça veut dire pas une année, ou pas mettre ça, ou qu'à accumuler chaque année ou depuis 2009. Exactement, exactement. Okay, bon fait que, exemple, on va le prendre sans jeune homme âgé de la trentaine qui a mis $150 chaque semaine dans le compte CELI. Pourquoi ça me choisit $150? C'est que ça, mettons, on a la trentaine ou bien un job stable, ou a fait n'importe 700-800$. $150 pas affecté le budget en tant que tel, parce que ou a bien mené et tout. Là, par la suite, on va là, dit que. Pendant 30 ans que Coblan a généré, puis la fait petite, Jean Aïssé aurait bien dit, oui, non, Coblan fait petite, exactement. Puis là, en bout de 30 ans, on accumule plus de 2 millions. Puis là, façon nous allons structurer le portefeuille, okay. Nous allons mettre en placement, on va dire, équilibré. Équilibré, c'est qui ça? Nous allons mettre 70% actions en 30% obligations. Ou l'en finance pour comprendre ce que ça va dire. Exactement. Pour le domaine. Pour le domaine, dans le domaine. Puis là, par la suite, ça nous va le faire. Nous allons mettre dans le portefeuille conservateur les gens qui n'ont pas arrivé dans le retrait. Pour qui ça? Parce que nous allons prendre moins de risques. Ça veut dire que nous allons prendre 70% obligations, 30% actions. Donc là, au bout de 30 ans, nous allons accumuler 1 million. Puis là, l'intérêt va apporter à peu près 5 000 $. Ah, okay. Et là, 7 000 $ pour le sortir. Okay. Mais pour ça bien faire, il faut contacter Maradona Cerise. Exactement. Tu vas contacter Maradona, voilà. Voilà, dans chez bonjour. Bon, bon côté dans le livre, là, même des longs chapitres qui parlait de assurance vie. Et puis, question, est-ce que une assurance vie vraiment nécessaire pour mon rôle? Bien écrit chapitre ça, parce que pour ça, il y a plein de monde qui parle de l'assurance vie. Parce que je ne parle pas de l'assurance vie. Je ne parle pas de l'assurance vie. Je me dis pour ça, je vais le mettre en corps, en côté, et je ne parle pas de l'assurance vie. Oui, non, ça c'est vrai. Parce que, mais ça a duré. Puis je crois que même Jedna qui l'a, peut-être n'importe qui, mais même ceux qu'on a rencontré des séries, qui ont dit ah, assurance vie, ça me besoin. Exactement. Vous comprenez? Parce que en pile. Faut nous pas gêner dire en pile monde dans communauté là pas quoi dans assurance vie. On pas quoi de un, puis l'autre raison aussi me pas quoi là-dedans c'est que pas gagne monde qui t'expliquer vraiment ça assurance vie. La raison pour laquelle nous te prendre c'est deux raisons. On t'a commencé pour petit moi parce que me dit ah c'est dans bail écrivain comme qui t'un un héritage pour petit moi. Puis l'autre bail en tout c'est une voisin maman monsieur Saint ancien tonton ma coûte monsieur Payen. Monsieur était à peu près en cinquantaine, monsieur était chargé de ce monde, n'importe 40 ce monde. Là, Kounia, bloc, monsieur mourit, Chris Kadza. Kounia, là, tout le monde pensait que monsieur était chargé, quoi, chargé assuré. Monsieur pas de gang, groupe national l'an prochain. Wow. Kounia, là, tout ce monde, à la caille, parents, vous connaissez. Qui bien blanc. Exactement, qui bien. Exactement, pas de gang, groupe national. Donc, tout ce monde pense qu'on va le récolter comme finalement, et eux-mêmes qui sont obligés de sortir comme l'empoche. Ils disent, oh, dans Montréal, ça arrivait. Ils disent, non. Moi, je courais, je suis un cousin qui a travaillé dans l'assurance. Ils disent, ok, pour une question, assurance, moi, pas bon, besoin de renouveler. Moi, si, je n'ai pas d'assurance. Wow. Donc, suite à ça, ça me dit, pour une question, là, je prends l'assurance, puis là, je rentre dans le domaine là. La plupart du temps, nous dit mon yon qu'on dit ça, fond pour assurance. Pour que ça, l'homme qui a deux bails qui est arrivé, soit ou quitter un héritage, ou bien ou quitter une dette. Donc, si vous parlez de quitter une dette, plutôt prendre assurance, qui n'est pas pour tout cher, après peu 10 ou 20 dollars par mois, puis comme vous faites une différence, vous mettez l'emplacement. Quand on connaît que si vous avez un bail qui arrive, vous quittez un bon héritage, puis pendant que vous vivez là, vous mettez le corps de côté, si vous avez besoin d'investir dans le business, bien sûr, besoin de voir comme ici, mais on connaît où il y a un corps cap là. Mais soit pour assurance, seulement pour prendre assurance, il n'est pas bon. Ok, alors, bon, expliquez, parce que là, on dit si vous prenez assurance, mais quel type? Parce que, quel différent? Il y a assurance temporaire, il y a assurance à long terme, il y a assurance fixe ou stable, je veux dire. Exactement. Alors, pour expliquer nous, tous les deux. Il y a deux types d'assurance, je dis là, il y a une pour payer à vie. Il y a l'autre, on a ça temporaire. Temporaire, même coûte moins cher. Comme exemple, si vous êtes jeune,
préfère prendre temporaire. Pour qu'il soit prendre temporaire, parce que faut vivre, livre l'analyse enrichir votre futur. Donc, faut mettre en cob pour retraite tout, mais faut prendre cob tout pour vivre présentement. Soumettre tout comme dans l'assurance, c'est pas bon. Sous besoin de faire quelques mouvements, pas qu'à faire. C'est vrai. Exactement. Tandis que sous grand monde, selon 60 ans, 65 ans, laisse à vous prendre l'assurance à vie. Parce que l'assurance temporaire, il n'y a pas qu'à couvrir pour tout le monde. Ok, mais sous prend un temporaire, ou dit, ok, les gens jeunes, pour prendre l'assurance temporaire. Exactement. Alors, ça veut dire. Cependant, sous prend l'assurance temporaire, il faut mettre en épargne automatiquement. C'est là qu'il y a un exactement. Il faut mettre épargne automatiquement. Si un jeune dit, il n'y a pas le prendre temporaire, admettons, ça disant, on fuit dans la vingtaine, là, il va coûter 20 dollars à peu près pour 500 000. C'est pas beaucoup. Donc, si vous mettez 20 dollars par mois, si vous gagnez 18 ans, 20 ans, mais faut qu'on mette 100 dollars par mois dans l'épargne, soit dans CELI ou en REER, c'est obligatoire. Moi, okay. Le problème que j'ai avec temporaire là, parce que si vous prenez temporaire là, par exemple, pour 25 ans, et puis après ça, ok, après 25 ans, l'assurance ça était là, ou pas payé là encore, comme ça était là, et puis si vous pouvez mourir, et puis qu'on y a la bingon l'âge qui est plus avancé dans 60, 70 ans, d'après ça, je comprends, ou pas payer, si vous voulez continuer l'assurance encore, ou pas payer vraiment beaucoup plus cher, comme l'aide dit beaucoup plus cher, n'importe 200-300 dollars. Mais le but, c'est, est-ce que c'est vrai? Le but, c'est pour pas gagner l'assurance. Il faut penser quoi en millionnaire? Okay. Millionnaire ou pas gagner l'assurance. Pour qui ça? Il y a 10 millions, des milliards. Donc, on sait qu'il faut avoir la même mentalité que millionnaire. Si millionnaire n'a pas de l'assurance, il y a une raison pour laquelle. Parce qu'il y a un cob, il y a un capital. Si vous avez un cob, si vous prenez l'assurance, là, puis vous mettez le cob de côté, fait que l'assurance va descendre, comme la portée. Il n'y a pas besoin d'assurance. Ils ont besoin d'assurance. Mais si vous prenez temporaire, on n'a pas jamais de cob, comme la descendre. L'assurance va descendre, comme la jamais monter, comme la jamais monter. Vous voyez pas. Peut-être ça, vous lâchez les blancs. Ok, les blancs plein ceux que la Delta pour pouvoir bouger. Exactement. Parce qu'il faut qu'il y ait un héritage à petit jour. Grand phénomène là qui a privé à Montréal, c'est que, si vous regardez bien, la population immigrante qui rentre dans le Canada, c'est italien avec haïtien. Et latino tout. Non, premier immigrant qui rentre, c'est vraiment haïtien dans les années 60-70. Ok. Puis là, immigration. Tout immigrant italien investit dans l'immobilier, on investit. Nous-mêmes, ça nous fait, c'est intellectuel, professeur, docteur, on savait qui était là. Mais ils n'ont pas aidé les communautés. Ils n'ont pas éduqué au niveau de la finance. Haïtien, fait que là, ça fait en sorte que tout italien équipe bien immobilier, nous-mêmes, nous ne pas rien. Ça, c'est un phénomène. Bien. Si tout haïtien était comprendre le phénomène, ça, nous avons une bonne assurance, un bon temporaire de 500 000, 1 million, pour ça, nous n'avons pas quitté un héritage à la communauté haïtienne. Wow. Et puis, vous voulez bien préciser, on va parler de assurance temporaire pour les États-Unis, qui l'autre côté, c'est vraiment it's a temporary life insurance. Exactement. C'est très, très important pour nous bien comprendre. Parce que moi, j'ai toujours posé tête, mais tout. Question ça et suivre les maps les livres là moi ou parler de ça me vient un petit peu plus comprendre ça fait comme si livre ça franchement son livre ça son cadeau son diamant c'est ouais. très important et moi-même ça que j'aimerais c'est que vous vraiment parler de choses qui touchent nous oui, principalement dans la communauté vraiment oui. Important très intéressant et puis tout dans livre là bon bah que moi-même ou parler et encore une fois qui touche chez nous en pire parce que haïtien ici son bagage et pas et tout côté il y a toujours ouais ça comme première vision on en livre ou parler que qui genre au monde pour acheter premier carreau avec un petit cal quoi avec un petit cal mise de fond mon billet un petit cal parce que un petit cal parce que c'est comme ça ou parler mais dis qui gens au monde qui a fait ça parce que toujours pas des mises de fonds oui et surtout excusez-moi avant de détailler surtout Jean moi t'ai tendé depuis quelques temps là année ça là il dit quoi je t'en caille au bon question de faut qu'on baille
n'importe 70 000. Et si elle a 300 000, faut qu'on m'en dégage au bail, n'importe 70 000. Souvent, c'est 20%, c'est 25%. Oui, même si c'est premier caillou. C'est ça. Et c'est 20%, bah, ça, ok, bah, pile monde qui a acheté le premier caillou à réfléchir. Non, ça qui s'est passé, il y a pile loi qui est rentrée en vigueur. Cependant, il y a une loi qui est toujours là, c'est que loi qui a acheté le premier caillou, faut obliger la mise de fonds. Comme principalement, c'est 5%. Faut bailler 5% de valeur caillou. Donc, si admettons, j'aime, ou besoin d'acheter le premier caillou, ou cas à chercher comme pour mise de fonds, ou si admettons, ou grand parent qui a un caillou déjà, parent carbone, un don. Donc, oui, mais ça, c'est au bon moins. Exactement. Si aucun parent qui peut banquer. Exactement. Voilà. Que, qui j'en bats, je n'ai pas. Gain, qui pas gain. Donc, un monde qui a un bon salaire, parce que leur approche en cas, il y a trois critères demandés. Demander un salaire, là. Donc, un monde qui a un bon salaire. Deuxième critère, un monde qui a un bon crédit, c'est qui ça? C'est un big score de 650. 650, ça veut dire que c'est un monde qui est bien payé. Dette lié, qui va gagner un pile de dette. Donc, 650 en montant. Exactement. 650 en montant maximum, là, c'est 900. Donc, un monde qui a un bon big score, qui paye dette lié à temps. Puis l'autre, dans tout, c'est mise de fonds. Mise de fonds, gamma écrit les REER. Donc, un monde qui va gagner rien, qui va jamais te cotiser, quoi même qui va te couper en bail ça. Donc, grande possibilité pour aller chercher un prêt rien là. Donc, comme blanc par là, ou allemand des gouvernements, qu'on dit ça, on te travaille, on va jamais te acheter rien. Donc, rien. On va jamais ouvrir contre rien même. On va jamais te ouvrir contre rien même. Comment est-ce que les rien non utilisés? Fait que tout rien non utilisé ça, ou allemand des gouvernements, qu'on dit ça, mal fait un prêt de 25 000 dollars. Donc, on va avoir un retour d'impôt de 40%. Bel retour. Bel retour de à peu près 10 000 dollars. On est à la seule de temps, c'est un couple qui fait couple en cas n'est pas 20 000 dollars. Puis, ça admettons, on va l'acheter en caille de 200, 300 000. On va avoir un couple en pour faire. Ça, on va sortir son goût national l'an prochain. Mais comme ça, on voit que faut qu'on. Exactement, exactement. Avantage avec prêt à plan, c'est que, première des choses, il ne peut pas arrêter en dessous de prison. Deuxième des choses, ratio d'endettement pas augmenté. Vous comprenez? Puis, on gagne 2 ans pour ne pas payer. Après 2 ans, il faut payer sous 15 ans. Donc, il faut rembourser 150 dollars par mois pendant 15 ans. Ça, c'est très bon. Puis, ça, c'est un programme que le gouvernement mettait, que m'expliquait très bien dans le livre. Donc, là, pour les gens qui ne comprennent pas vraiment ça qui prend la donc, c'est très intéressant pour acheter le livre ou bien contacter nous directement. Après, moi, question encore moi-même. Parce que, je comprends ce que tu dis, mais je reprends le passé de monde qui vraiment pas comprendre. Oui, c'est très complexe. C'est très complexe. Parce que c'est une question de chiffres. Si nous avons fait chiffres, là, nous avons compris. Madonna, est-ce que tu as reprends le passé? Reprends. Ça veut dire, Madonna, Jen là, Jen pas jamais ouvert. Nous ne comptons pas que le panier est du tout. Ah ouais? Quand il y a Jen besoin d'acheter en premier, Jen besoin d'acheter premier Kylie. Mais avant tout, faut jeune aller voir un conseil financier. Oui. C'est ça parce que. Pour expliquer le bail. Exactement. Faut nous expliquer. Pour nous voir combien comme le réel non utilisé les gains. Parce que pour faire, faut te travailler avant. Si pas je me travaille, faut te faire. Ok. Oui, faut te travailler. Mais l'allemand de l'an, est-ce que même moment, l'œil décide de faire le bail? Oh, ça, c'est une belle question, belle question. C'est que, ou pas qu'à faire n'importe qui, il faut faire la période de janvier, février, là on va le faire impôt. Bon, voilà. Exactement. Et puis, il y a tout ouvert au compte réel pour lui, il y a tout bien là, c'est ça? Non, c'est un prêt réel. Donc, le gouvernement, pour le bon remboursement de 40% à peu près. Donc, si vous faites, soit admis pour 25 000, le gouvernement, pour le bon retour d'impôt de 10 000 à peu près. Ok. Donc, 10 000 dollars, les cas bon pour cash down quand même. Je ne connais pas ça aux États-Unis, mais Montréal, Canada, nous avons un programme. Très intéressant. Maradona, dans le livre, je vais lire un chapitre qui parlait de comment on est capable de faire 76 000 dollars sans que on ne retire un sou dans la poche. Comment on est capable d'économiser une capacité 76 000 dollars. Ça, c'est une bonne question. Exactement, ça, c'est une belle question. Dans le livre, je vais lire ça, mais on va le chercher. Exactement. On va donner ça quoi. Exactement. Comment nous qu'a généré plus de 76 000 dollars pour étudier Simon, ça a fait à la naissance de Simon.
160 gouttes nationales de poche. Le grand programme que les régimes par études pour parents qui besoin si mon allant soit collégial universitaire. Donc comment programme ça fait commencer, c'est que vous mettez un certain montant, puis le gouvernement lui-même il mettait 30%, donc 20% niveau fédéral, 10% niveau provincial. Exactement, exactement. Puis tellement gouvernement généreux tout. Si vous ne pas fait en pile cop, il va mettre en cop supplémentaire. Vous comprenez le raisonnement? C'est selon salaire limité. Exactement. Minimum, là, c'est 30%. Minimum, c'est 30%. Okay. Puis si vous ne pouvez pas faire en pile cop, il va mettre en cop supplémentaire. Bah, fait que, on allait avec 30% minimum. Okay. Donc, il met un plafond que vous mettez 2500 chaque année. Si par an, mettez 2500. Puis ça me dit, pourquoi ça me dit, vous ne sortez comme l'emploi chou? Parce que, il y a les allocations familiales. Fait que le gouvernement a beau comme là, ou prend la même corps, ou prend là, ou elle mettait le programme. Donc, il n'y a pas sorti de poche. Comme bien dit, allocations familiales, ça, son programme que nous gagnons ici, dans Montréal, là, côté que le gouvernement a l'argent pour Timoulin le 1er et le 20. En anglais, il y a Family Child Allowance, ok? Exactly, mais exactly. C'est un programme pour mon Canada. C'est ce qu'il y a quelques États-Unis qui ont fait un temps d'élu. Et puis ça, il est basé sur chaque petit monde, le gouvernement a eu l'argent pour petit monde. Exactement, exactement. Donc, si parents décident de faire le couple, papa, maman, disons comme ça, ça n'apprend seulement pour étudiants parce que Montréal, la plupart de petits monde ont fait cégep. Par la suite, puis à l'université. Donc, si mon carrière était n'importe 7 ans, pour un petit moment, il était fait cégep, puis il est encore en disant, bon Dieu, fait ou t'es pour un poulet. Donc, il a payé ça, puis il n'est pas sorti comme vraiment pour le faire, dernier dépenseur. Ouais. Donc, pour ça répondre à la question, c'est que comme gouvernement voyant, pour prendre, ou mettez dans le programme là, jusqu'à ce que l'âge de 18 ans arrive, si on fait calcul avec intérêt composé, hein, si mon nom a besoin de 76 000 dollars. Wow! Exactement. Vous avez dit l'argent fait petit. Exactement, on fait petit. Donc, nous ne pas rentrer dans le détail vraiment. Peut-être ça me dit mon nom. Oui, parce qu'il faut qu'on lui achète des livres pour qu'il y ait des bagages. C'est très intéressant. Exactement. Mais est-ce que il y a des moyens pour dire mon nom combien de livres coûter ou bien. Oui, l'alliance spéciale présentement à 20 dollars, me fait à 35 dollars. Mais si mon nom voulait prendre Kounia, lis juste à le sous-site là, www.maradonacerisé.com ou car sous Saint-Domingue, Haïti ou États-Unis tout. Il y a plus le monde qui est États-Unis qui relève une femme même, nous fait livraison ou juste relève, puis nous avons fait livraison pour le livre là parce que même mon États-Unis, 4 ans livre là, puis la PDE. Ça sent bon prix parce que si le livre là vend 35 dollars, il n'y a pas pour 20 dollars pour le moment, profitez pas parce que. Je crois que Maradona dit qu'il faut en quantité, stock. Exactement. Stock, il n'y a qu'à épuiser facilement. Exactement. On a fait ouverture, lancement, blessé, plus de 400 livres partis pour être super chaud. Bah, ils ont parti chaud. Oui, 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 c'est ça. Intéressant. Alors, Kounia, étant donné là, vous faites un livre, est-ce qu'on a un projet mais pour oui, deuxième mais oui, livre? Mais oui. Parce que je ne vais pas juste en tenir avec un seul livre. Façon moins succès livre ça. Là, ça me va le faire là, c'est en tournée internationale. Oh, oui, parce que moi, mon États-Unis, après, j'ai besoin de livre, mon Haïti. Donc, là, je vais le faire en tournée internationale, je vais aux États-Unis. Je connais qui veut me attaquer avant, si c'est New York, New Jersey ou bien Miami. Par la suite, je vais Haïti tout, parce que j'ai besoin Haïti, mon côté vivre, mon côté bien. En fait. Donc, j'ai besoin Haïti sur l'autre niveau. Belle bagarre, ça veut dire. Projet là bientôt ça veut dire mais ça qui veut dire soit parti là-bas c'est des conférences ou quoi exactement ou bien qui soit quoi le faire exactement moi je fais conférences dans plusieurs villes dans plusieurs pays pour me ça aider communauté parle communauté haïtienne dans tout pour y arriver dans l'autre niveau fait conférence nous allons annoncer très prochainement donc nous allons avoir publicité qui va le faire donc m'encourager toutes fanatiques toutes compatriotes moi Haïti Saint-Domingue États-Unis pour supporter j'aime pas le faire conférence. Belle bagaille. Non, c'est très intéressant. Très, très bel projet. Alors, là que nous, on a séparé, on a fait belle bagaille pour ça dans la communauté. Tant qu'on prend exemple, Boss Benz,
zanmi pam sa yo. Oui. Ki toujou di, chapeau ba. Merci. Suspann, encourage la médiocrité. Encourage bon bagay, encourage le nou moun moun ap fè fòl ap fè bon bagay, encourage. Et pas bagay moun ap fè tintin, fè grimace ki pou fè nou ri yo seulement pou nou pran plezir ri. Rien bon c'est vrai, mais bon bagay la kote moun ap pale bagay ki positif, bagay ki kapab. Bon, yo comme son médicament pour nommer médicament pour vivre le médicament parce que tu lis ça c'est la vie familiale, vous comprenez? Encourager Maradona dans le projet ça qu'il a fait parce que là bon pour famille ou là bon pour mes amis, là bon pour quel que soit mon nom de bon foyer, c'est très 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 bon. Moi même pas même qu'à ajouter parce que tout ça on dit là c'est ça. Et ça n'est. Alors, et au même, comme si, nous me poser quand même une dernière question. Yes. Avec tout ça que vous avez fait, qui côté où est-ce dans 10 ans? Je ne sais pas. Il y a 5 ans tout. Mais oui, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Bon, on va commencer dans 5 ans et après dans 10 ans. 5 ans dans 10 ans, ça, moi, c'est m'a implanté une firme de ma cerise qui pourrait parler de crédit. Comment structurer crédit? Parce que si vous avez besoin. Investir dans l'immobilier, si vous avez besoin d'investir dans n'importe quel business, si la base n'est pas solide, vous n'avez pas qu'à faire. Donc, c'est vraiment à faire une tournée dans la plupart des pays pour que vous compreniez qui est crédit, pour que vous aider l'autre monde qui peut le faire. Une petite question, tout petit, pendant parler de crédit. Exactement. Qui conseille vous pour le monde qui toujours. Qui toujours gain recours à ces sous-valeurs bon petit problème on dit difficulté financière je veux dire qui conseille bien pour monde ça yo pour yo pas courir tout de suite dans la faillite. Ça m'a dit mon yo c'est que les travail ou grand cop qui rentrer c'est que faut payer pour peut-être avant. Parce que la plupart du monde qui vient ouais qui gain problème financier nous OK est-ce que nous on peut côté. La plupart disent non. Donc, ça vous fait, quand vous rentrez, vous faites des dépenses. Vous faites des dépenses. Vous avez besoin d'épater la galerie. Vous avez besoin d'acheter de belles bagages. Vous avez besoin de montrer moi exactement. Shopping. Fait que, mon a fait 100 000 $, 60 000, 50 000, mais vous dépensez plus que comme vous recevez. Fait que peut-être que ça vous toujours endetté. Fait que ça me dit pas de problème. Il y a un problème financier. Nous pas le chita. Nous pas le qui structure. Nous pas le faire pour nous diminuer de tout. Mais depuis que comme qui est rentré, il faut mettre un pourcentage pour deux côtés, automatiquement. Fait que depuis nous commençons à faire ça, la diminution des taux, puis comme de côté à monter, comme de côté à monter, comme de côté à monter. En ça, on va réaliser l'importance de l'argent. Si on ne peut pas comprendre qui ça qui est comme là, je suis un jour. Bien dit, oui. Jour. On vient d'aller, Alors pour nous capables, prêter le livre, pour nous capables, bien que tout conseil Maradona vive à nous parce que si le tabou pour le tabou nous conseille là va finir alors tout réponse dans le livre là mes amis marchez pressé pour nous venir pour le petit tête livre là hein tête livre là oui. Et puis bon photo malheur sur le livre là tout fun de ça hein. Ah oui, belle photo, très belle mal. Photo très belle, très intéressant photo. En tout cas Maradona, je voulais remercier le fait que vous avez pris le temps, vous avez accepté l'invitation, vous avez venu là, vous avez venu parler d'un sujet comme ce qui est important pour nous toutes. On va prendre toute catégorie. Toute catégorie monde. Je m'apprécie ça en pile. Et je souhaite au succès. Et nous-mêmes, c'est ce que nous avons fait. Jen Show, déjà connu que nous avons vous monté. Mais pas de choix. Alors, merci en pile. Merci en pile. Que nous invitons dans show, on connaît un show malin, un show qui a découvert Town là, puis on connaît sur YouTube, tout fanatique, États-Unis, Saint-Domingue, Haïti. Et c'est pourquoi l'abonner, à l'abonner, à le subscribe, mon États-Unis, même mon Chili, à le subscribe. Exactement. Parce que ça, c'est un show vraiment qui est gardé par plusieurs pays. En pile pays, il y a un moment, ça m'a parlé de nous. Là, si nous avons parlé de combien de pays, bon, nous arrivons sur 36 pays, nous allons compter encore. Tout le monde a gardé nous. Mais des fois, on a gardé nous, on ne doit pas abonner, il faut pas l'abonner.
pour voilà. Le nous laguer quand pour émission Maradona là le nous laguer le premier monde qui a pour elle et gain monde tout faut que moi préciser des fois dit monde dans l'abonné je pense au bon comme va payer par moi non gratis chérie dit pour ça qu'est-ce que vous pas pour payer mais non ça c'est monde vraiment qui comprend qui pas tellement habitué avec la technologie moi pas comprendre ça mais nous pas payer rien c'est juste que quand nous laguer émission c'est nous tarer mais ouais prochain émission à laguer et puis pour nous là où juste soit DJ ou juste à l'abonné moi la mon petit cloche en l'air et pour cliquer li bah ça va finir bon nous rive dans faire émission nous et puis t'as dit tout le monde merci qui t'a écouté émission ça qui t'a gardé nous parler de abonnement déjà pas besoin tourner sous lui alors restez branché pour une autre émission Jen Show dans jour qui venir parce que nous connaît que pour émission nous lagué autant pour type show nous pas faire nous rester ton donc pour ça faut que nous vraiment abonnez-nous et petit cloche là rendez-vous dire pour ça capable toute prochaine émission qui va. Alors nous déjà connaît pas gain l'autre show Jen Show. Alors m'a saluer toute fanatique nous merci continuez suivre nous Jen Show show tout cap garder nous. Alors merci à tout monde qui t'a regardé nous et nous a dit nous bye bye à la prochaine pour notre émission. Hey.